tout le monde, c'est Rayton. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec Nicolas. Yo. Et aujourd'hui, on va jouer à Injustice 2 parce que pour ceux qui se souviennent dans la vidéo du Room Tour, on avait dit qu'on se battrait sur Injustice en vidéo. Faut savoir un truc, c'est que Rayton, il a galéré à savoir comment on allait commencer cette vidéo. Donc, du coup, je suis en train de me taper une énorme barre à l'intérieur de moi-même. En fait, ça faisait 5 minutes qu'on était comme ça. Et du coup, on savait pas quoi faire. Faire un versus, affronter ses amis en local, mais on fait que de l'aléatoire. Parce que sinon, c'est trop facile de choisir que les persos cheatés. Donc, on fait aléatoire. Ok, mais par contre, affronter ses amis, t'es pas mon pote, mec. T'es pas mon pote, casse-toi. Ce qu'on va faire, c'est qu'il y aura des défis. Et c'est pas des petits défis. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un défi qu'on choisira à la fin. Enfin, c'est le gagnant qui choisira le défi pour l'autre. On fait 3 combats. Et le premier arrive à 3. Et bah, du coup, il fait le défi. Donc, on prend bien évidemment, comme on l'a dit, que des personnages aléatoires pour pas être cheaté. Parce que sinon, après, c'est trop compliqué. Ah bah, c'est génial, je commence avec un perso de merde. Parce qu'en gros, Black Canary, on est très très mauvais. Regardez, c'est moi. Oh là 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 là, Black Canary. Comment t'es mort, mec? Black Canary, il a pas de canard. Tu sais, dans ses mémoires, tu sais, il a un petit canard et tout. Black Canary, attaque, contre-attaque. Oh non, 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 non! C'était pas très canari, putain, merde! Non! Non! Mais je sais pas ce que je fais. Oh! Oh mon dieu, ces attaques du petit canari. Il devient un grand caneton. Yes! Regardez, regardez! Oui! Oh, pourquoi j'ai sauté? J'ai pas un small smash, regardez, Black Canary, small smash, c'est qu'elle crie beaucoup, un peu comme moi. Et du coup, Black Canary. Oh mon dieu, mais comment on a retourné le combat! Non, non, non! Non! Mais ça se fait pas! Boum! Et je te mets la caisse! La petite caisse! Oh merde! Tiens, je t'ai fouetté les fesses, mec! Tu connais pas la puissance du canard? Parce que toi, t'es jamais allé à la ferme! Je vais donner du pain à la marque! Non! C'est quoi cette attaque qui m'a tout enlevé? Mais c'est toi qui m'as fait ça! Oh oui! Je pensais que c'était toi qui m'attaquais tout à l'heure, en fait! Non, c'est moi! Je suis vraiment la puissance du canard! Oh mon dieu! Cette attaque! Cette contre-attaque! Ah! Défendant! Black Canary! Oh mon dieu! Oh mon dieu! Black Canary pour the win! Mauvais! I like them! C'était Black Canary. Robin, je sais pas le jouer non plus. Ok, on est mort, on a deux persos qu'on joue jamais. Eh, hey, y'a Superman, Batman, Blue Beetle. Oh oh, Blue Beetle, mais c'est que. Blue Beetle, mais c'est la. Il est trop facile à jouer. Monsieur, Blue Beetle, c'est la folie. Mais c'est moi, je me fais refister là, putain. Oh, le mec, y'a un croco. Un croco-pic, un croco-barjo. J'adore avec Blue Beetle, c'est. Mais c'est moi qui comme ça, t'es fils de pute. J'adore Blue Beetle. Blue Beetle, c'est mon héros préféré. Non, mais Robin, je déteste le jouer, il tape pas. Hop, hop. Non, 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 s'il te plaît, non, non, mais je suis gentil. Hé, j'ai besoin de mes os pour pouvoir te casser la gueule. Ah, bam, bam, bam. Oh, mais c'est que Robin a son ultimate. Mais mais t'es pas censé être bon avec Robin. Tu sais ce qui est marrant, c'est que je suis en train de gagner. Tu gagnes que en vidéo, mec. Ah oui, parce que en vidéo, je suis nul, mais quand je suis en vidéo, tout d'un coup, je me concentre. Ouais, parce que tu sais qu'il y a des défis à la clé, c'est pour ça. Et oui. Mais vas-y, mais putain. Non, en fait, j'ai laissé gagner juste pour voir la cinématique de Blue. Regardez ça, regardez. Yeah! Regardez sa tête, elle est magnifique. Sa tête, elle est parfaite. C'est vraiment la tête d'un gagnant, tu vois. Blue Beetle. Mec, Aquaman, quoi. Il parle au poisson, frère. Green Arrow. Mec, t'as de la putain de chance sur le tirage. Moi, je préfère Aquaman à Green Arrow en termes de. Dans le jeu. Je connais pas trop le lore de Aquaman, genre dans le comics et tout. Mais j'adore Green Arrow. Et on prend dans. Ah ouais, en plus, tu. Oh mon dieu! Mais c'est tout le tournée acrobatique. Oh, c'est fantastique. Comme les crocodiles. Oh, attends. Regarde, attends, il y a le vieux Billy. Attends, j'essaie de le prendre. Non, s'il te plaît, ne prends pas le vieux Billy. Regarde. Vieux Billy, sors quelque chose, s'il te plaît. Oh, mec, je sais pas si tu l'as vu, mais il est. Pourquoi on a tué un mec? J'aurais été tranquille au bar, on l'a frappé. Le barman, je trouve qu'il reste vraiment très serein alors qu'on est en train de se défoncer devant lui. Je lui dirai, oh, ça va, je range plus tard. Ils viennent tous les lundis. Ils viennent tous les lundis, ils se cassent la gueule. Tous les lundis, ils viennent ici pour se casser la gueule. Et le barman, il s'en fout. Et je te paye une bière après ça? Blue Beetle! Ouais, le combat il est serré ça. Raté. Non! Oui! Non! Non! Je me suis fait mal. Eh, c'était quoi de parler des poissons? Ta mère c'est un ton. Ah putain! Hier j'ai mangé du saumon. Hier j'ai mangé tes frères. Oh oh. Oh non! Non, arrête. J'ai arrêté et. Oh l'enculé! Yeah! Ça tu me paieras! Ça tu me paieras! J'ai arrêté ce que tu m'as dit d'arrêter! Putain, mais c'est quoi? J'ai pas dit arrête. Si. Replay. Non, arrête. Oh, le replay.
gameplay, il a dit quoi? Il a dit que t'es un vrai perdant. La prochaine sera une très bonne partie. Je le sais, honnêtement, on le sait, donc tout doux. Ah. Mais putain, ah. Mais vas-y, quoi. Pourquoi on a tous les personnages qu'on sait pas jouer? Ça, c'est moi quand je vais aux toilettes. Je suis Captain Cold. Oh là là, je refroidis les gens. Ah, il est lent, quoi. Il sert à rien, mais Captain Cold, il faut aucun dégât. Je voudrais un bonhomme de neige et faire tuer Swamp Thing. Mais oh, c'est quoi? Mais mec, il est lent, putain. Désolé d'être bon avec Frozen. Non, il est lent comme Molly, quoi. Oh, oh mon dieu, c'est trop tourné acrobatique. Et fantastique. Oh, je t'ai frosé le pied. Tes petits doigts de pied vont être tout mignons. Ok, ok. Là, c'est bien sérieux. On a tous les ultimates. Ok, d'accord, mec. Oh non, t'as raté. Oh, oh, attendez, attendez. Non, oui, non, oui. Non, mais non. Regardez. Mais comment il est lent, putain. Est-ce qu'on dirait pas, genre, le personnage... Comment il s'appelle, déjà? Dans Indestructible. Frozen, dans Indestructible. Est-ce qu'on dirait pas trop Frozen? En vrai, honnêtement, entre nous. Oh, mais c'est que j'ai gagné. Donc, quel est mon défi? Mets-toi à poil. Ah, t'as perdu. Ah non, mais non, je vais me mettre à poil. Attends, il y a quand même des limites, non? Non, jamais, mec. Eh, moi, je suis pas comme ça, je suis pas un mec facile, hein. Non. Ok, les amis, donc on va faire un cocktail que Nicolas devra manger. Donc, Nicolas va partir dans le couloir pendant quelques minutes. Pas en entier, le cocktail, s'il te plaît. On verra. Ça se trouve, il est bon. Tu vas aller dans le couloir pendant quelques minutes, tu vas t'exiler là-bas, et je te dis quand tu pourras revenir, ok? Pensons, moi, je reste avec les abonnés, on va faire la cuisine. Va vraiment dans le couloir. Mais tu sors? Ok les amis, on va lui faire le pire cocktail du monde, honnêtement. Je sais pas ce que j'ai. Attends, on va mettre ça où? Ok, donc bienvenue dans Rayton Cuisine, l'émission de cuisine de Rayton, merci beaucoup. Donc ce qu'on va faire, c'est que... Ah, il nous faudrait... Alors on va prendre de l'eau d'abord, parce que ça paraît logique. Et je vais pas parler trop fort pour tous les ingrédients, je vais vous le montrer parce que je sais qu'il est juste à côté et qu'il entend tous les ingrédients et que du coup il sera moins spoilé. Ça peut être cool, ça peut être fantastique. Ok les amis, regardez-moi ça. C'est là depuis une semaine. Regardez-moi ça, que je n'ai toujours pas utilisé. Pourtant j'adore cette sauce, mais je l'utiliserai jamais. Et ça c'est bio. Bio c'est bien. Bio c'est bien. Ça rime pas, mais c'est bien. Et attends, il nous faut un verre. Un verre de qualité. Nous allons prendre un petit verre chic. Parce que écoutez, nous aimons quand c'est chic. Chic c'est chic. Casse-toi. Il a regardé. C'est un tricheur. En plus d'être un perdant, c'est un tricheur. Je hais ce genre de personne. Donc maintenant t'arrêtes. Tu me laisses faire mon cocktail. Je vais éviter d'en mettre trop parce que j'aime pas trop le gaspillage de nourriture. Ok, ça paraît pas mal. La consistance. Le jus, pour l'instant il y a tout ce du liquide, mais c'est pas grave. Ça me dégoûte parce que c'est un de mes jus préférés que je vais le donner à Nico. Casse-toi! Eh, là je me crois en physique chimie. En vrai, ça se trouve, on va faire une putain de recette, ça va être trop bon, je vais gagner beaucoup d'argent. En vrai, soit il boit et il fait ah, c'est bon, soit il boit et il fait. Donc, qu'est-ce qu'il manque? Il manque un peu d'eau parce qu'il faut quand même faire passer le truc avec de l'eau. Ah, c'est pas beau! Ok, attendez. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour terminer un bon assaisonnement? Il faut qu'on touille. Le pire c'est que ça a l'air comestible, en vrai on dirait que c'est normal, genre c'est ok. J'ai pas fini. Il me manque le dernier ingrédient secret qui est la clé de toute l'histoire. Oh, c'est quoi ce truc? Je sais même pas ce que c'était. Regardez, on dirait des pâtes. Faut que je touille encore un peu. Oh, c'est horrible. Attendez, je vais essayer de vous faire voir parce que c'est un peu compliqué. On dirait qu'il y a des vers dedans. C'est pas beau. Ok, on va voir s'il est d'accord de manger ça, mais je crois qu'il va dire non. Donc, Nicolas, tu peux venir. Nico, viens. Nicolas! D'abord, faut que je mange un peu les ingrédients parce que c'est un peu parti en plus. Tu sais ce qu'il y a dedans, c'est deux fois moins drôle. Nico, viens! Allez, viens! Oh! Oh! Mais t'as mis quoi dedans? Ah, j'ai mis. Non, mais dis pas que t'as mis du riz! Non, t'en bois une gorgée, t'as perdu, t'assumes. C'est comestible en vrai. Genre, j'ai goûté. T'as goûté? Ouais, demande à la caméra. Est-ce que la caméra Sony A5000, tu l'as goûté? Oui! Mec, ça pue quoi! Mais je te demande pas de tout voir, juste une gorgée. T'as un mytho, t'as même pas vu. Si, ouais, il y a la force de mes lèvres juste là. Allez, vas-y! Allez, Nico! Heureusement que t'es un youtubeur, on va dire entre guillemets connu, hein, parce que pour un youtubeur de 20 abonnés, jamais je ferais ça! Ah non! Alors? Ah! C'était pas bon? C'est vraiment pas bon? Oh. J'ai mis toute ma connaissance culinaire là-dedans. C'est pas bon? T'as pas envie de finir? Je le garde pour demain. C'est ce que j'ai mis dedans, t'es trop con! Mec, tu bois la bouteille! Bon bah, du coup, quelqu'un en veut? Les amis, c'est tellement bien d'embêter Nicolas, genre vraiment. Donc, bah tout le monde, du coup, on va s'arrêter là pour aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo sur Injustice 2 avec Nico. J'espère que vous l'avez aimé. Est-ce que t'as aimé Nico? Ta gueule. Ta bouche, elle passe pour aimer. C'est horrible cette phrase. Donc, merci beaucoup tout le monde d'avoir regardé la vidéo, j'espère que vous l'avez aimé. Si vous avez passé un bon moment, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un pouce bleu pour d'autres vidéos comme ça, en défi avec Nico. Je pense qu'en vrai, la prochaine fois, viens faire ce Mortal Kombat. Mais je suis tombé que sur des persos de mort, mec. Putain, j'aurais pas pu tomber sur le Joker, Harley Quinn et Flash, j'aurais gagné, quoi. Écoute, on dit beaucoup j'aurais aimé, mais t'aurais pu si t'avais gagné. Tu as perdu. Ha. Donc merci beaucoup tout le monde d'avoir regardé cette vidéo. Passez tous une très bonne journée. A plus tout le monde, c'était Rayton et Nico. Et ciao.